partout, moi. T'as mange pas une seconde encore. T'as le mal de mer, Yves, à ce qu'il paraît? Non, mais... Attendons de voir. Je suis pas précis. N'en faites pas trop, quand même, ils vont tous me... Ils vont se poser des questions. Alors Marie travaille à l'auberge jeunesse. Ah bon? De Wesson, notre guide. Ouais. Ah, il y a les moutons blancs. Qu'est-ce que tu avais vu? Il y a les moutons blancs. J'attends, je voulais voir les noirs. Ah, les noirs, très dur. Hein. Ah. Bah non, par contre, ils sont en liberté, les moutons. Tu es déjà venu, Yves, à Wesson? Non, jamais. C'est la première fois de ta vie? Là, ouais. Et en fait, je les récupère après au mois de février. Mais là, là maintenant, voilà, tu te balades, tu vas tomber sur un petit peu de moutons, donc on va faire attention. Non, on la réserve pas, on revient au parc. Bah, on veut descendre, non, on se prend descendre, non. Non, mais on ne fait pas dans l'auberge. On va dans l'auberge après? Oui, oui, mais là, tiens, l'arc-en-ciel. Oh purée, regarde. Ah, oh, ça c'est bien. Juste quand on arrive. Ça, c'est un bon signe. Oui, c'est un matin encore. On n'en aura jamais trop quand ça... On aura encore des surprises. Eh bien, pour vous dire, tout le monde a prévu l'aller, mais pas le retour. Je lui montre les photos que j'avais faites en hiver. Tu viens? J'ai dans son cœur, puisque j'ai eu la chanter, il pleurait, alors qu'il ne dit jamais rien. S'accroche le cœur aux lignes de la vie, souffle de bonheur à l'étreinte infinie, grand. Les enfants au hasard des chemins, qui sait demain où mènera le destin, le signe aux abords de la chapelle, 2000 feux étincelles pour nos cœurs, une sirène en quête d'un rocher, un patriarche en recherche d'un passage, des voix, des mains encore sous le soleil, chère chante en vain en qui des cœurs pareils, le signe aux abords de la chapelle. 2000 feux intercèdent pour nos cœurs. Alors pour toi, aux abords Saint-Michel, sera pour toi une chanson immortelle. Alors cet héros aura des ailes pour toi. Sera ta chanson Gaël. Ouais, mais elle est dure. Hein. Ouais, mais j'aurais dû la repasser avant, oui. C'est bon.
pas grave. Au feu vermeil du grand soleil, les conquérants portent leur gloire. En éperons, mais en haillons, les conquérants s'en vont. En file indienne dans la plaine, ils vont chevauchant leur coursier. Ils n'ont plus rien à perdre, ce sont les aventuriers. Sans cesse ils vont cherchant le fabuleux trésor d'Eldorado, portant serré au loin des rêves héroïques pour flambeau. Conquistador, seigneur du feu, conquistador, quel est ton dieu? Ils sont venus d'un monde ancien qui n'était plus à leur grandeur. Ils ont brûlé aussi, et puis pillé aussi parfois, donné leur cœur. Au feu vermeil du grand soleil, le conquérant les porte leur gloire. En éperons, mais en haillons, les conquérants s'en vont. Oh, bravo! Alors là, magnifique! Vous choisissez, vous pouvez mettre comment, bah, il est musicien, mettez Baladin. Ah, vous... Baladin, elle est belle aussi, Baladin, elle est très belle. Baladin, Baladin, je suis le Baladin. Non, mais attends, on a une boutade internationale ici, ben oui. Il y a Baladin avec le musicien, hein. Il y a deux Baladins. Ah oui. Baladin avec le musicien. Il faut prendre celui avec l'accordéoniste, elle est très belle. L'accordéoniste, c'est la plus belle de l'accordéoniste. Ah, ouais. De Brest, le Baladin. Le Baladin, oui. Mais, tu as du son. Et comment il s'appelle? Baladin, Baladin, venez dans mon petit jardin, j'ai glané en chemin. Mais on ne t'entend pas l'accordéon? Non, il n'est pas là, merde. C'est pas le bon. De la racine en ligne à la fleur du Népal. Bon, de pas bon. On va se rengueuler. Mais non, c'est pas bon. On va se rengueuler. Arrête. Il va être énervé là. Il va être énervé là. J'aurais pas peur d'aller là. Ah hein. Oh bah si, moi je pense qu'il faudrait avoir peur. Hein. Ah oui, t'aurais intérêt d'avoir peur là, parce qu'à mon avis, c'est sûr, on te retrouve pas là. Ah si, ah non. Allez. Non, on retrouve ton corps. Oh, c'est pas possible. Si on j'ai déjà été là-bas au Cap. On le retrouve. Si on le retrouve. Vous êtes dur. Tiens, regardez le truc. Là. Oh là là, oh mais c'est un. Et nous, j'ai la raison d'être. A de navel da rueza armor bras da ionena pas irolan ol drougou ergoan o nag eo dudius chomer goudor kenei rus e me zibi an e karantezu o medaga si bazadou muior ege dan ol tinzorioù karged loen as klerigen qui cause tes eaux vers leur barado.
quand le soleil à l'horizon enflammera les moissons, tu me diras reste là, car j'ai besoin de toi, reste avec moi. D'autres soleils à l'horizon enflammeront les moissons, tu me diras reste là, car j'ai besoin de toi, reste avec moi. C'est ça ma chanson. Oui. Tu es triste, Yves? Ah non, mais après on est un peu ému, quoi. Oui. André ici, je veux voir. Yves, t'es où? Viens voir le bidon. Faut voir quand même, hein. On n'est jamais mieux renseigné que par ses ennemis, viens voir. Creek Marine, ça date de quand ça? Enfin quand même. Regarde, on rejoint presque les métaux précieux là, regarde ça. C'est impensable. Qu'est-ce que tu as trouvé là? Mais regarde là, regarde le dessus là, ici là. Avec Creek, un gars ici. Creek Marine. C'est écrit en allemand. Justement. Kriegsmarine. C'est quand même impensable, ou bien alors comment c'est incompréhensible. C'est qu'ils ont fait des essais, les Allemands. Attention, hein. Ils avaient le moteur à eau, hydrogène, oxygène, hein. 8 jours d'autonomie. C'est pas pensable. Bon, il faudrait... renseigne-toi quand même. Non, bon. Mais alors, c'est incompréhensible. Allons, et on vient vite, tu sois de là, hein. Père faisait le chauffeur à 78 ans. Hein. Oui, il a fait l'armée. Et alors, il avait le mal de mer, et donc il avait le mal à la tête à chaque fois qu'il approchait la,
Oui, bah tu sais. Regarde, tu vois le...